Je suis Irène Pavlovski, j'ai 24 ans et je suis consultante chez Arctic Consulting. J'ai rejoint Arctic en février 2021 pour mon stage de fin d'études et j'ai signé en CDI 6 mois plus tard. Avant de commencer à travailler chez Arctic, j'ai fait un double diplôme ingénieur manager entre l'école d'ingénieurs Télécom Sud Paris et l'école de commerce Institut Mines Télécom Business School. Je me suis spécialisée en ingénierie des systèmes d'information. Je me suis donc spécialisée en systèmes d'information et c'est pour cela que j'ai rejoint Arctic, cabinet de conseil en architecture des SI. Ma première mission chez Arctic consistait à travailler pour un éditeur de logiciels pour les banques. Donc cet éditeur avait une architecture logicielle composée d'un Java monolithe. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont un énorme bloc de code et il est très difficile d'y faire des mises à jour. Ainsi, cet éditeur est passé voir Arctic pour recevoir des conseils pour améliorer cette architecture logicielle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bien, dans un premier temps, j'ai fait du marketing. J'ai étudié le marché des banques, clientes de l'éditeur. J'ai travaillé sur le discours de l'éditeur afin qu'il puisse attirer de nouveaux prospects. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai travaillé avec des consultants experts sur l'architecture logicielle et sur la manière dont l'éditeur pouvait passer de son architecture à une nouvelle architecture. À la fin de ma mission, j'ai travaillé sur le retour sur investissement de ce changement d'architecture. Ce que j'apprécie chez Arctic, c'est la diversité des missions. Par exemple, je peux faire du dev. En ce moment, je développe une plateforme d'échange pour un laboratoire pharmaceutique, mais aussi des missions complètement différentes comme une étude de marché de data catalogue pour un organisme international. J'apprécie l'atmosphère au sein d'Arctic, le fait de pouvoir faire des afterworks, d'aller aux laser games. J'apprécie le travail en équipe et de travailler dans la confiance avec le sourire.